l'importance de l'éducation et de la sensibilisation dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les vacances scolaires offrent une occasion unique de rassembler les jeunes filles, les jeunes garçons, les parents, les enseignants et la société civile pour discuter de manière approfondie des conséquences de cette pratique et des moyens de l'éradiquer définitivement. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les Guinéens, à toutes les Guinéennes, pour qu'ils se joignent à ce combat. Les organisations de la société civile, les leaders communautaires, les autorités locales, les enseignants, les professeurs, les professionnels de la santé aussi, les parents, les jeunes, tous les partenaires au développement doivent unir leurs voix et leurs actions pour éliminer cette pratique destructive. La Guinée est le deuxième pays au rang mondial, donc vraiment à la tête du peloton parmi les pays qui pratiquent les mutilations génitales féminines. Et en termes de statistiques, aujourd'hui, à date, nous sommes à 95% de femmes et de filles de 15 à 49 ans affectées par la pratique. Et 39% parmi les filles de 0 à 14 ans. Mais la lutte contre celle-ci demande et nécessite une réponse holistique, indivisible et multisectorielle. À chaque niveau, les mesures prises doivent viser notamment à rendre aux femmes plus d'autonomie, bien sûr, à sensibiliser les hommes aux problèmes, à durcir les sanctions contre les agresseurs et à répondre aux besoins fondamentaux des survivantes. Je suis très content avec le leadership que la communauté, au niveau de la communauté, les activistes et les autres avaient pris en charge cette problématique. Parce que le vrai changement va venir des Guinéens, pas par un bailleur de fonds. On peut avoir toutes sortes de projets, mais si la voix qui est entendue sur terrain, dans les villages, n'est pas guinéen, pourquoi ils vont nous écouter? Alors on est guinéen, surtout si on est femme, on va vous écouter beaucoup plus. C'est vraiment important pour moi, le message que je voudrais laisser vous avec, c'est que ce n'est pas seulement le Guinée, c'est dans tout le monde. Et chacun a leur responsabilité d'essayer de l'éliminer. Bon, je m'adresse spécialement aux acteurs religieux. C'est eux qui sont à la base. Parce que s'ils sont convaincus, ils acceptent de dire aux gens que l'excision est un acte coutumier, ce n'est pas un acte religieux, les gens peuvent avoir le courage d'abandonner. Mais quand tu dis à un musulman, ce que tu fais là, c'est bon, c'est rétribué, il va chercher la rétribution. C'est ce qu'il faut. Alors que ce n'est pas rétribué, il faut le savoir.
dévie. Mais pourquoi il souffre d'ennui? Pourquoi une femme qui pleure est une société qui brûle? Une femme qui crie est une humanité qui... Non, plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Ah, mais non, plus jamais ça. La femme est sacrée. La femme est divine. Elle mérite notre protection. Elle mérite notre attention. La femme, c'est elle qui nous met au monde.